Mesdames, Messieurs, les membres du bureau de l'APD, chers membres de l'association pour le développement APD, Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est avec un très grand plaisir que j'ai l'honneur de m'adresser à vous en ce moment particulier important à la fois. Pour marquer le lancement de notre mouvement politique dénommé Alliance pour le développement national, gloire et dignité, qui coïncide avec le premier anniversaire de notre collectif Association pour le développement APD. Permettez-moi ainsi de vous adresser tous mes remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Je voudrais saluer la présence distinguée de M. Cheikh Babou, saluer également la présence de M. Ousmane Diané, Mme Ousmane Diop et de Mme Fall. Je voudrais magnifier la présence massive des responsables politiques et autorités venus nombreux soutenir et encourager notre initiative. S'agissant de l'Association pour le développement APD, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle vient de boucler sa première année d'existence. Et par la grâce de Dieu, elle a gravi les échelons de manière exceptionnelle, avec un parcours sans faute, de même que le GIE Synergie et Action. Ceci est la résultante de votre engagement personnel et de votre total dévouement. Pour étayer mes propos, je vais en citer quelques réalisations depuis l'Assemblée Générale Constitutive de 2020. Toutes ces instances se sont réunies de manière régulière et des cellules ont été installées dans plusieurs localités. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, des actions de sensibilisation et de distribution de masques, gel et savon ont été effectuées dans plusieurs quartiers de Grand Yoff et d'Alifort, montagne. À la fin de l'année 2020, une grande cérémonie de présentation de vœux et de distribution de cadeaux aux enfants des membres de l'APD a été tenue durant le mois du Ramadan. Notre association APD a assisté les populations, surtout les couches les plus démunies, par la distribution de denrées alimentaires, opération dénommée les samedis du Ramadan. Cette opération s'est faite dans plusieurs quartiers et mosquées de Grand Yoff dans la banlieue dakaroise. Le GIE Synergie et Action a permis la formation de plusieurs femmes dans la transformation de produits céréaliers. Aujourd'hui, plusieurs d'entre elles vendent leurs produits sur le marché, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Dans le cadre de la massification de l'association, plusieurs cellules ont été installées à Grand Yoff, Dakar et sa banlieue, et dans plusieurs régions, dont Kaolack. Entre autres réalisations, je peux citer la facilitation faite aux élèves et étudiants pour leurs inscriptions dans de grandes écoles de formation. Comme vous pouvez le constater, donc, l'APD, après seulement un an d'existence, s'est usé au top des associations qui existent dans notre pays. Toutes ces actions ont été réalisées grâce à la dévotion et à l'abnégation dans le travail de ses membres. Je voudrais saisir l'occasion pour vous féliciter pour tout ce que vous faites dans la bonne marche de l'APD et vous encourager à aller de l'avant. Permettez-moi de vous souhaiter joyeux anniversaire. Comme je l'ai annoncé au début de mon propos, la raison essentielle pour laquelle nous sommes ici est le lancement de notre mouvement politique dénommé Alliance pour le développement national ADN.
gloire et dignité au nom de la démocratie et du progrès. La démarche de l'ADN est d'abord citoyenne, elle réside dans la vision et les actions ci-après. Mettre l'État au service des citoyens en impulsant une économie performante, juste et solidaire. Continuer de donner aux forces de défense et de sécurité les moyens de leur mission. Investir dans les infrastructures, moderniser l'agriculture et l'élevage. Garantir la sécurité alimentaire, sauvegarder notre environnement. Donner à nos enfants et à nos jeunes une éducation de qualité. Fournir à tous nos compatriotes des services efficaces de santé. Créer massivement des emplois et vivier de tissu économique. Rendre notre cadre de vie meilleur. Et tendre enfin vers une émergence durable pour que le Sénégal continue d'être un pays émergent. Durable pour que le Sénégal continue à être dans la paix et d'opportunité dans le Conseil des Nations. Voilà, mesdames et messieurs, chers membres, voilà les raisons pour lesquelles notre mouvement ADN va intégrer la mouvance présidentielle en parfaite synergie avec tous les partis mouvements qui la composent. Parce que nous voulons accompagner la construction d'un Sénégal de paix et de progrès et rester sur la voie de la réussite. Et c'est pourquoi je dis merci à tous ceux qui croient à la vision du président Macky Sall, en son ambition et en sa capacité à faire avancer le Sénégal sur la voie de l'émergence. J'invite tout le monde au travail dans la paix, la sérénité et la générosité, dans l'unité et la solidarité pour le Sénégal de tous. Un Sénégal pour tous. Merci pour votre aimable attention.